Salut, bonjour, ça va être la vidéo la plus courte de la chaîne. Enfin, si mon ordi se décide à aligner un petit peu. Voilà, je partage. Voilà, ça. J'ai la preuve que les reptiliens mangent les humains. Mira nomás, por si no me querían creer. A su verga. ¿Ah? Y ese pinche mamalón que anda, güey. Por su puta madre. ¿En qué le estaba la planeta? Míralo. Y por su puta madre. Lo lleva sin brazo a la verga. Aucun crocodile n'a souffert durant la prise de cette séquence. Bon courage, on tient bon, on passe entre les gouttes et les aiguilles. Et l'humour douteux occasionnel. Je dois bien admettre quand même. C'est un peu glauque. Bon, ça ne me fait pas grand-chose. Hein. Déjà, on ne le voit pas trop, et puis on ne le connaît pas, et puis, ces derniers temps, on en voit plein dans les tranchées en Ukraine. Ouais, les Russes montrent hein, ce qui se passe. Hein. Eux. Les autres envoient maintenant des jeunes et des vieux se battre dans les tranchées, hein, ce qu'on soutient, paraît-il, en France, là. La France soutient les nazis. Je ne vais pas vous faire l'étonner. Hein. Karl Schwab. Karl Schwab. Du Schwabeland. Hein? Zut de la der. Non, peut-être, non. Ah, si ça se trouve. Alors, voilà. Ben, salut. Hein. C'est quand même terrible, non, ce qu'on voit là. Ouais. Mais bon, excusez-moi, moi j'étais en Inde, j'en ai vu défiler sur le Gange aussi. Et les gens faire leurs ablutions là. Comme quoi, des fois, la contagion, c'est pas flagrant, quoi. Ça dépend aussi de plein de trucs. Peut-être le terrain qui compte et non pas le microbe. D'un autre côté, il ne faut pas abuser non plus, hein, effectivement. Je ne suis pas encore très au point pour savoir définir tout là. Mais. Il y a quand même beaucoup de contre-exemples, on va dire. Donc, je ne peux pas en tirer une règle. Pendant que je disais salut, bonsoir, bon, c'était de l'humour noir, évidemment, plus ou moins écailleux, comme sujet à aborder. Voilà. Oh.